Swatch. Eh oui, tout le monde connaît Swatch. Il y a des choses que vous ne savez peut-être pas à propos de Swatch. Saviez-vous que Swatch, c'est aussi le Swatch Group? Parce que Swatch est devenu tellement populaire qu'ils ont créé un empire. Et avec le Swatch Group, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à acheter des compagnies de montres ou des horlogers montres parmi les plus grosses marques. Blancpain. Blancpain étant la plus vieille compagnie au monde au niveau de la date de lancement. Ils ont des marques Omega. Vous connaissez Omega? Donc, on sait que les James Bond entre Omega et Rolex. Et en passant, James Bond a aussi porté des Seiko quand le numérique devenait super reconnu. Swatch est devenu assez gros qui ont commencé à acheter plusieurs entreprises, dont Blancpain, dont une de mes marques préférées qu'on va sûrement reparler plusieurs fois, c'est Longines. J'adore les montres Longines. Pas trop dispendieuses. C'est quand même une montre de luxe. C'est une montre faite en Suisse. C'est des montres extrêmement bien montées. Beaux modèles. Comme je l'ai dit, on a Omega, on a Blancpain, on a Harry Winston. On a plusieurs marques suisses qui sont maintenant la propriété du groupe Swatch. Depuis les années 80, il pourrait y avoir une collection juste de ça. Là. Il y a des milliers et des milliers de Swatch. C'est pas des montres qui obligatoirement vont